Salut à tous et à toutes, c'est Zinek, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Destiny, et plus précisément, on va parler de la lance de Polaris. En ce moment, la lance de Polaris, vous avez pu l'obtenir auprès de Anabré sur Mars, avec la quête Aurore Naissante 4 sur 5, et cette semaine, c'est la cinquième semaine, soit le catalyseur, enfin, on peut obtenir le catalyseur de cette dernière. Du coup, pour le catalyseur de la lance de Polaris, il vous faut faire des frags, peu importe la planète, mais avec l'arme équipée. Bon, en soi, ça va très bien. Mais là où est le plus gros problème, c'est surtout sur les frags de la cinquième parfaite. Quel est le problème de cette dernière? Tout simplement parce que je vais vous dire... Il faut déjà charger la balle solaire. Et une fois avec cette dernière, il ne faut pas tuer l'ennemi avec l'explosion. Il faut tuer l'ennemi avec la brûlure de l'explosion de la cinquième parfaite. Ok, ça peut paraître compliqué. Mais en soi, ça peut être simple quand vous connaissez la stratégie. Ce que je peux vous conseiller pour faire cette quête des 50 frags à la cinquième parfaite, c'est à avis perso, vous augmentez votre renommée de jalon, non pas de jalon, de faction à 3, 2-3 minimum, jusqu'à 5. 5 ça peut être parfait. Après, vous pouvez faire vos frags sur le Léviathan, enfin au début du Léviathan sur le Calus, ou comme moi je l'ai fait sur les secteurs oubliés. Avec la renommée de 5, ce qui peut grandement vous aider. Sachant que les frags de la 5ème parfaite, je les ai fait en renommée de 5 sur les acolytes. Genre, vous mettez la balle, l'explosion le met low life, genre extrême low life, et il reste juste assez de vie pour tuer l'ennemi avec la brûlure. Et grâce à ça, ça vous permet de faire un frag. Vous ne devez pas tuer l'ennemi avec l'explosion. Vous pouvez tuer les ennemis en stack, mais faut tout calculer. Faut calculer toute sa vie, faut tout calculer. Enfin bref, une fois ceci fait, les 50 frags avec sa game parfaite. Bon, après, faudra surtout s'armer de beaucoup de patience pour y arriver. Une fois que ceci est fait, vous obtiendrez le fameux catalyseur qui vous obtiendrez les frags de précision créent une explosion causant des dégâts élémentaires, soit la perque Luciole, ou même les libellules pour les anciens, enfin bref. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo information sur le catalyseur de la lance de Polaris vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou même activer la cloche des notifications, ça vous serez notifié des prochaines vidéos. N'hésitez pas à checker dans la description pour toutes les informations. Je mets des informations sur Twitter pour les futures vidéos, les lives. Le Twitch pour les live streams, il est présent, vous avez qu'à checker. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.